السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة تقنية ومعلومة. اليوم غادي نشوفوا واحد الفيديو ما بين سلسلة ديال الفيديوهات حول اللغة الفرنسية تحت عنوان فرونسي فاسيل. غادي نشوفوا بعض الأخطاء الشائعة اللي كنرتكبوها في الحوار ديالنا باللغة الفرنسية بلا ما نردوا ليها البال، وغادي نحاول أنني نبسطها باللغة الدارجة باش تكون واضحة أكثر. نبداو على بركة الله. الخطأ الشائع رقم واحد، واش كنقولو je vais à ma copine ولا je vais chez ma copine؟ bien sûr je vais chez ma copine هي اللي صحيحة. هنشوفو علاش. parce que pour les personnes j'utilise chez. par exemple إلا أنا غادي نهضر غادي نمشي عند شي شخص une personne كنقول chez. par exemple je vais chez ma grand-mère, je vais chez mon cousin, je vais chez ma tante. D'accord? Donc, ملي كنقصد انني غادي نمشي عند شي شخص كنقول chez. Alors, pour les lieux ou les endroits, on utilise à, à la, à elle, au. Par exemple, je vais à l'école, je vais au théâtre, je vais à la piscine. D'accord? Quand je veux parler d'un endroit, كنستعمل هنايا لي بريبوزيسيون ا، ا، ألا، ا، ال، او، و او. ملي كنبغي نقصد انني غادي نمشي لشي بلاصه و بيان ان ليو، ما كنستعملش شي، كنستعمل لا بريبوزيسيون ا ولا ألا ولا ال ولا او ولا او اكس. الخطا الشائع رقم زوج هو كيلي لا ديفيرونس اونتر جو في بيان اي جو سوي بيان. Si on pose la question, comment vas-tu? Je n'ai pas la réponse, les radis qu'on a de la question. Wesh, je vais bien ou là, je suis bien. Notamment, c'est je vais bien. Pourquoi? Parce que je vais bien signifie qu'on est en bonne santé, qu'on n'a pas de problème. Et c'est bien une réponse comme cela qui est attendue après un comment vas-tu. Donc, je vais bien, كتعني بأنني بخير، مزيانة ليا، دونك ما كاين أوكان بروبليم. مي، دون جو سوي بيان، لو فيرب إتر إنديك أون نوسيون دو كونفور. باغ إكزومبل، سي تو إي أسي سور أن تابوري شي أن أمي، سولوي سي بو تو دوموندي سي لو سييج ني با تروب إنكونفورتابل. سي تو إي بيان أسي، لا تو بو ريبوندر باغ جو سوي بيان، ميرسي. Donc, je suis bien, la notion de confort. D'accord? Par contre, je vais bien, la situation ou bien l'hal li ana fiha. Le khata cha'i' raqm 3. Je visite un ami ou bien tu rends visite à un ami. Tu visites un ami ou bien tu rends visite à un ami. Mais la réponse correcte, bien sûr, tu rends visite à un ami. Parce que le verbe visiter s'utilise pour parler d'un lieu, ou bien un endroit, ou bien un musée, une ville, un pays, un appartement ou encore un monument. D'accord? Donc, quand on a le verbe visiter pour du tout, parce qu'on compte qu'on a un ami radin zour, chi makan, chi mdina, chi hay, chi haja, ou un lieu. D'accord? Par exemple. Nous avons visité un bel appartement hier. Hier, j'ai visité le musée du Louvre. Donc, واضح, le verbe visiter pour du tout quand c'est le fait que nous avons un lieu. Nous avons un lieu, un lieu, un lieu. Mais, quand nous avons une personne, nous rendre visite. Quand on parle d'une personne, on utilise le verbe rendre visite suivi de la préposition à. D'accord? Anani radim shun zor shi shakhs, kangoul rendre visite et pas visiter. Par exemple, je rends visite à mes parents. Ce week-end, ma soeur a rendu visite à mes grands-parents. L'khata shai' raqm 4. Quelle est la différence entre eux en même temps et au même temps? D'accord? Je bois un café et en même temps, je lis le journal. Ou bien, ces deux verbes sont conjugués au présent. Ils sont conjugués en même temps de conjugaison. La réponse correcte, c'est
La deuxième. Ces deux verbes sont conjugués au présent. Pourquoi? Parce que, en même temps, on l'utilise pour parler de deux choses qui se passent simultanément dans un même instant. غادي نهضر على واحد جوج ديال لي سين ou bien جوج ديال لي سيناريو اللي كيوقعوا في نفس الوقت sur place. Donc, هنا غادي نستعمل en même temps. Exemple, je bois un café et en même temps je lis le journal. Je peux parler de en même temps si je parle de la conjugaison. Éventuellement, vous pouvez employer en même temps si vous parlez de conjugaison pour dire que tel verbe est employé en même temps que tel autre. Par exemple, هنا il a en même temps كنستعملها, il a غادي نهضر على la conjugaison, c'est-à-dire مثلا le verbe avoir est conjugué en même temps que le verbe être. D'accord? J'espère vous avoir éclairé. Merci et à la prochaine.